Bonjour tout le monde. Ça fait maintenant, ça fait un moment que j'ai arrêté de faire des conférences. Et puis là, ma fille, elle a fait une petite erreur. Elle a dit oui à un truc que je ne savais même pas que je dois faire. Mais voilà, ça m'a fait du plaisir d'être là et de partager un peu ma petite vie avec vous. Parce que quand on prend des risques, on doit savoir qu'on doit faire ça pour rester vivant et pas pour mourir. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça qui me fait sentir vivant. Et puis, j'aime pas les risques, mais j'aime ces challenges. Et chacun de nous dans ma vie doit aimer un challenge. Autrement, les 30 000 jours qu'on a dans la vie qui est donné à chacun de nous, est vite foutu. Et puis quand on arrive à mon âge, à 50 ans, et puis on dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec ma vie? Je voulais encore faire ça, 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 ça. C'est trop tard. La vie, c'est aujourd'hui. Il fallait à fond la caisse. Et puis il faut la vivre. Je veux partager une expédition avec vous que j'ai fait en 2006. C'est déjà un moment. Mais quand on a eu une idée un peu foufou, comme ils disent, d'y aller au pôle Nord de nuit. Et puis quand un journaliste à New York me demandait pourquoi je voulais aller au pôle Nord de nuit, je disais, mais parce que je ne vois pas les risques. Si je sais dans quelle direction je dois aller dans la vie, je m'en fous de tout ce qui se passe à côté de moi. Je concentre dans la direction où je vais aller. Et les risques n'existent pas. Ça veut dire que dès qu'on est honnête avec soi-même, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de bling-blang, mais dans les moments où tu dois compter que sur soi-même, tu dois savoir que tu peux le faire. Et si tu ne peux pas le faire, tu ne dois pas être là. Parce que la vraie vie, elle est bien différente que la vie qu'on imagine existe. De nos têtes et de parler, c'est toujours plus facile de le faire. Pour moi, je détermine le risque en deux pôles. Le pôle en côté, tout ce que je connais, et de l'autre côté, tout ce que je ne connais pas. Et ça, c'est ma zone de risque. Si je peux approcher les deux pôles, c'est là où je diminue ma risque. Et je me donne beaucoup plus de chances d'arriver vivant. Je ne commence pas quelque chose que je ne veux pas finir dans ma vie. Si je sais que je ne veux pas le finir, je ne commence pas. 25 ans. Et puis, pendant 25 ans, je n'ai pas eu toujours du succès, mais j'ai tout essayé pour arriver au bout. Et ça, c'est que moi qui sais. Et si nous, on répond à ces questions dans notre vie, que j'ai tout essayé d'arriver au bout, et puis on n'a pas arrivé, ce n'est pas un échec. C'est peut-être un échec pour les autres, des journalistes qui, des fois, me critiquent. « Ouais, t'as gelé tes doigts, ouais, il fait moins 70. » Pendant 3 mois, un jour après l'autre, je suis toute seule au milieu de la Sibérie. Oui, je peux faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Quand on prend la responsabilité des erreurs qu'on fait, quand on prend des risques, on est peut-être critiqué, mais on est respecté. Et quand l'homme, il peut garder ses respects, c'est là que tu peux toujours aller en avant. Je m'excuse que je parle mal français parce que j'ai arrêté de faire des conférences en Suisse. Et puis, si de temps en temps, il y a des vilains mots qui sortent, c'est les seuls mots que je connaisse. Et si vous êtes vexé, vous êtes bienvenu de partir. Ça ne me gêne pas, ça ne change pas ma vie. Mais on va essayer de le faire ça un peu de une manière décontractée. Je ne me prends pas en sérieux. Mais des fois, les choses que je fais, ce n'est pas mal sérieux. On va la faire court, comme ça vous pouvez la bouffer, parce que moi je suis là pour la truc de déjeunatoire, comme ils disent, et pas vraiment pour faire des conférences. Mais
On va éteindre un peu la lumière quand je commence mes petites explications. Mais on va parler un peu du pôle Nord, et puis je vois qu'il n'y a pas un infrarouge sur ces trucs. Mais ce n'est pas grave. Je montre avec mes doigts. Il faut juste imaginer où je me montre, où je vais. Le pôle Nord, en fait, c'est comment tu peux écrire le pôle Nord? C'est la mer, c'est l'océan, c'est l'Arctique. Il n'y a pas la Terre. C'est la glace qui est posée, en fait, sur la mer. Et ces glaces bougent en permanence. Et puis, là, maintenant, la solution est là. On appuie sur quel bouton? C'est plus facile de faire des experts que de faire des présentations. Et puis, voilà. Ça veut dire qu'on a la glace, en fait, qui est posée sur la Terre. Et ces glaces sont tout en mouvement. Et pendant 4 mois de l'année, il fait nuit noire complète, en fait, au pôle Nord. Et c'est là où la glace se forme. C'est là où la glace ne fond pas. C'est là où la température baisse à moins 60, moins 70 degrés. C'est là quand il commence à faire froid. À moins 60, je ne peux même pas ouvrir ma fermeture éclair pour faire pipi dehors, parce que d'abord, tu as des moufles comme ça, et ton machin est tellement petit que tu n'arrives même pas à le choper avec ces gros moufles. C'est impossible. Ça veut dire que tu dois commencer de changer ta manière de vivre. Et si tu arrives de changer ta manière de vivre, et puis on n'est pas comme les bons Suisses où on dit oui, oui monsieur, non monsieur, c'est là où tu vas trouver des solutions. Les risques, tu dois s'adapter tout le temps. Quand on prend les vrais risques, il faut être prêt de s'adapter. On ne part pas d'une organisation du UEFA là. On connaît notre heure de départ, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et c'est ça que j'aime des risques. Des risques, je ne veux pas savoir. C'est pour ça que je le prends. Mais je l'assume. Pour nous, comme je disais, facile. La préparation, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce qu'on ne part pas juste comme ça un jour quand on se réveille et puis on n'est pas content avec notre femme et puis on dit... Ah, non, je vais aller pas au Nord parce que ma femme, elle est chiante, ça va pas. Ou, ouais, mes enfants, ça va pas, mais je vais aller au pôle Nord. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est une expédition qu'on se prépare. Et puis, ça m'a pris pour faire ces pôles Nord de nuit, ça m'a pris 5 ans de préparation. D'abord, j'ai fait un truc tout bête. Je partais de Norvège et pendant 2 ans et 3 mois seul, je suis devenu le premier homme qui a fait le tour du monde sur la cercle arctique polaire. Une expédition qui s'appelait Arctos. Et c'est là, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, qu'un seul homme, en solitaire, a passé 2 hivers complètes dans l'Arctique. Et puis ça m'a donné la connaissance de prendre des risques pour aller au pôle Nord, de marcher sur la glace qui bouge. Un jour, je suis à la maison, je suis en train de préparer mon expédition et mon téléphone sonne. Je réponds très rarement au téléphone. Mais c'était un téléphone ligne de la maison, pas ces trucs portables et tout. Téléphone sonne, je prends le téléphone et puis de l'autre côté, un type avec un accent un peu bizarre. Ils disent, écoute, je m'appelle Borgi Ausland, je suis de Norvège et... j'aimerais bien aller au pôle Nord de nuit avec toi. Borgi Ausland, dans le monde des explorations polaires, tout le monde connaît. C'est le premier homme sur Terre qui est arrivé au pôle Nord sans assistance. C'est le premier homme qui est arrivé en solitaire au pôle Sud sans assistance. C'est la référence de la région polaire en exploration. Borgi qui m'appelle... il va aller avec moi. Et moi, un peu alpha male, je dis, écoute, Borgi, moi, je pense que je parlais seul. Je n'ai pas besoin de toi. Et je boucle les téléphones. Mais j'ai eu besoin de lui. Je n'ai pas toutes ses connaissances. Je n'ai pas toutes ses expériences.
Mais je suis non fier. Et peut-être trop fier. Et trop sûr des fois. Et quand j'ai bouclé le téléphone, j'ai quitté le téléphone et puis j'ai dit, mais j'ai fait la plus grande erreur de ma vie maintenant. Parce que maintenant, je n'ai pas de droit de pas d'arriver. Et puis j'ai dit, pour connaître tout ce que Borghi connaît, je dois passer encore 2 ans de recherche. Et je reprends le téléphone et je l'appelle. Je dis, Borghi, excuse-moi, j'ai réfléchi un peu, mais il a dit, t'as pas fait long parce que j'ai honnêtement fait 3 pas comme ça. Et puis j'ai dit, Borghi, excuse-moi, mais j'ai bien pensé, mais moi, j'aimerais bien aller avec lui. Et lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit? Dis, Mike, je n'ai pas besoin de toi à voir. Il a bouclé le téléphone. Là, ouais, ça commence bien. Deux gars qui se battent déjà entre eux. Un jour passe, 2 jours passent, mais il ne me rappelle pas. Troisième jour, téléphone qui sonne. Et moi, mon main sur le téléphone pendant 3 mois, 3 jours, c'est Borghi. Je prends le téléphone, je dis, écoute, c'est Borghi. Je dis, on a bien besoin une de l'autre. Parce que le seul homme qui connaissait la navigation quand il n'y a plus de soleil dans l'Arctique, c'était moi. Parce que j'ai passé 2 ans déjà là-dedans. Mais Borghi, il était toujours au pôle Nord quand il faisait jour, quand on navigue avec le soleil. Parce que le soleil bouge 15 degrés chaque 1 heure. Et ça donne la direction, si tu connais l'heure. Mais quand il n'y a pas de soleil, comment tu sais où est nord, sud, est, ouest? Où ton boussole tourne en rond? Où ton GPS gèle? Parce que les cristaux liquides sur ton téléphone en GPS gèlent à moins 18. Où tu dois marcher comme des Esquimaux? Et ça, c'était dans ma préparation que lui, il n'a jamais eu. La préparation était faite 3 minutes avec Borghi au téléphone. Je dis, je prépare mon expédition, toi tu prépares ton expédition, on se voit à Moscou dans 3 mois. Ça, c'était la seule indice qu'on a eu. Maintenant, à toi de jouer et à moi de jouer. Et on verra qui va rester vivant. Ça, c'était l'approche qu'on a eue. Maintenant, il faut comprendre que la recherche est vraiment impossible. Et malheureusement, je le fais en anglais. Et puis c'était un extrait du livre qui était fait pendant la guerre froide. La guerre froide, vous connaissez très bien, entre les États-Unis et la Russie. Et puis il y a des gens qui a peut-être pas cet âge-là, mais la guerre froide arrêtait à moins 54. À moins 54, la guerre arrête et ils disent des gens doivent rester, stay inside, ça veut dire que rester à l'intérieur. Et parce que tu gèles à moins que 2 minutes. Des fois, j'espère qu'il fait moins 54 tous les jours pour qu'on arrête de faire notre connerie sur Terre et tout le monde reste un peu dedans. Mais ma foi, ça, malheureusement, ça va pas. C'est un peu décalé, mais c'est important de savoir que la vitesse du vent joue un rôle énorme sur la température qu'on sent. Et puis maintenant, dans l'Arctique, ça c'est la vitesse du vent. Pendant l'hiver, pendant les dernières 50 ans, il y a tous les jours entre 24 jusqu'à 40 km à l'heure de vent. Tous les jours, sur l'océan Arctique. C'est ça qui fait bouger la glace. Et la température en hiver, quand il fait chaud, il fait moins 35, mais quand il commence à faire frais, il fait moins 50. Maintenant, on dit qu'à 32 km à l'heure, à moins 40, on doit commencer de rester vivant à moins 71 degrés. Et c'est pour ça que tu dois rester à l'intérieur. Parce qu'il fait frais. Là, il faut mettre un deuxième pull. Là, il faut. Mais tu ne peux pas faire pipi dehors, il ne faut pas enlever tes moufles. J'ai essayé une fois, j'ai enlevé mes moufles et j'étais obligé d'amputer mes doigts à l'intérieur de la tente. Ouais, il ne faut pas faire des petites erreurs parce que 2 minutes plus tard, c'est fini. Et c'est ça que j'aime.
cette risque-là. Ça, c'est excitant. Ça ne me donne pas une raison pas d'y aller, ça me donne une raison de trouver une solution pour aller. On pense toujours à pourquoi pas faire. Pourquoi on ne pense pas à pourquoi le faire? On a toujours des excuses. Le mauvais temps, la pluie, tout. On cherche des excuses pour tout dans la vie, pour pas participer, pour pas faire. Et on fout de rien à la fin. Pour moi, c'était facile. Ah ouais, à moi 70 ans, je peux rester vivant, mais il faut que je mange 14 000 calories par jour. 14 000 calories par jour, c'est tout ce que vous, vous bouffez dans une semaine, je mange par jour. En 5 heures, en dormant, je perds 2 000 calories à moi 50. Calories pour moi, c'est l'essence, c'est pas la bouffe. Je buvais un demi-litre d'huile d'olive par jour. Quand tu pars de la maison, il faut s'entraîner l'estomac. Tu ne peux pas juste un jour commencer de manger 6 000 calories, 7 000 calories, 8 000 calories. Tu vas crever, mon pauvre ami. Tu ne vas pas faire long. Ça veut dire qu'avant partie, je commence à boire les petites tasses d'huile d'olive. Et puis à la fin, tu as un chope d'huile l'huile d'olive, en vide, en plein. Et puis tu mets vide là, tu bois les pleins là, ça passe direct, hein, ça te... et puis tu veux le reboire au nouveau, parce que tu es tellement chargé avec ces calories que ton corps, il ne supporte plus rien. Et puis après, il faut commencer de le dépenser. C'est là où tu formes la graisse, c'est là où tu prends du poids. Mais en forme, je suis en forme, mais gros en forme. Parce que pour la prochaine 3 mois, le froid va bouffer toute la graisse autour de ma corps, et je parlais en autonomie. Quand Jean-Louis Étienne était au pôle Nord, il a eu chaque 10 jours les hélicos qui l'amenaient la bouffe. Ça, c'était différent. Sans assistance. C'est comme faire le Tour de France en moto et pas en vélo. L'assistance. Non? Moto, c'est facile quand tu fais le Tour de France en moto. Mais si tu dois le faire en vélo, c'est quelque chose de différent. Et toutes mes expéditions, je fais sans assistance. Parce que c'est plus difficile. Et moi, je n'aime pas des choses faciles. Mais nous, comme un être humain, on a la tendance de toujours choisir les chemins les plus faciles. Parce que les chemins les plus faciles, c'est là où tout le monde marche. C'est là où je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est là où tout est fait pour moi. On est venu presque fainéant, nous, l'être humain. Parce qu'on ne veut pas aller contre le courant. Parce qu'on n'est pas prêt de pagayer toute notre vie. Parce que dès qu'on commence de pagayer, c'est là où la vie devient intéressante. À moi 62, c'est là où la cornéa commence de geler. C'est là où tu n'as pas une autre source de chaleur qui peut réchauffer ton corps. À moi 62, quand je rentre dans la tente, j'ai 2 minutes de me réchauffer. Autrement, c'est fini. Mais 2 minutes, c'est long. C'est pas court. 2 secondes, c'est court. Mais pour les gens, ils mettent tout dans une manière de penser que c'est toujours plus grave que plus facile. Quand je regarde un verre, est-ce que ces bouteilles sont moitié plein ou moitié vide? Non, il n'est pas moitié plein ou moitié vide. Il est comme il est. Pourquoi on cherche toujours toutes les choses autour de nous qui n'est pas comme il était, comme c'est pas? Voir des choses, et là, on prend toutes les informations, et puis on peut prendre des risques ou pas. Quand on pense trop, et tu vois ces photos, et il fait tellement froid que... Chaque fois que je respire, parce que je tire une luge de 200 kilos, ça gèle autour de ma gueule, mais ces glaces gardent mon visage vivant. Parce qu'autour de ces glaces, il y a l'air qui est attrapé dans la glace. Et c'est pour ça que je ne gèle pas. Ce n'est pas
Ça, c'est l'air, on pense que c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement confortable. Parce que l'air autour de mon visage est à moins 18. La glace autour de mon visage est à moins 18. Mais la température ambiante est à moins 50. Je suis chaud. Comprenez un peu la différence, un peu des choses. Et là, tout devient facile. Maintenant, il faut savoir que quand on commence de faire des erreurs, qu'on commence de geler notre pied. Et puis bientôt, ouais, bon appétit après, mais on va passer très vite là-dessus. C'est très vite, très dangereuse. Et c'est pour ça la préparation, quand on part pour prendre des risques, d'y aller où personne n'était, est vraiment important. On a commencé, et puis je me dépêche maintenant, on commence en Russie. La plus haute station de météo du monde, sur une île de Chredny, en Arctique. Et puis, pendant 16 ans, les gens ne sont jamais quittés cette maison. Parce qu'ils ne sont pas oubliés là-bas. Mais pendant les dernières 16 ans, les gars, toutes les 2 heures, ils sortent, ils prennent la température, la radiation, la pression atmosphérique, la vitesse du vent, la direction du vent. Et puis, ils envoient par morse code, par SMS, les messages à Moscou. Et les gars, c'est même pas si quelqu'un qui l'écoute à Moscou. Ça, c'est la dédication. On arrivait avec les hélicos là-bas, mes filles, ma femme, moi, comme en vacances, un peu, aller au Club Med, hein, là-bas. Quand mes filles, ils ont vu ça, ils se sont dit, waouh, on est toujours sur la Terre, mais on ne sait même pas qu'une vie comme ça existe. Parce qu'on est tellement dans notre vie qu'on enferme, qu'on crée cette zone de confort, que dès qu'on a cette zone de confort autour de nous, on ne peut pas sortir. C'est impossible de dire, mais écoute, je veux sortir de cette zone de confort et je veux me créer une autre zone de confort. C'est pour ça qu'on prend moins et moins de risques aujourd'hui. Tout simplement parce que notre zone de confort est tellement confortable, mais pour moi, la vie est beaucoup plus grande que ma zone de confort. Et des fois, on ne sait pas que dès qu'on fait un pas en avant et puis on sort de notre zone de confort, tout de suite autour de nous, il y a une autre zone de confort qui se crée. Une vie, one life, à 30 000 jours, jusqu'à 82 ans. 30 000 jours, c'est peu, non? J'ai 12 000 jours qui me restent, presque, plus ou moins. Maintenant, on se mettra pas pour faire du porno, mais pour refroidir les températures du corps. Et là, dès que tu commences de refroidir les températures du corps, tu commences à avoir des frissons. Là, on a un médecin. Quand tu fais un frisson, tu perds combien de calories? Combien de calories tu perds dans un frisson? Combien de watts d'énergie que tu crées dans un frisson? Ouais, c'est à répondre à une question avec pas une réponse, mais donne-moi une réponse. Qui sait combien de calories on brûle pour un frisson? Qui sait combien de watts d'énergie ça crée juste un petit frisson de quelques secondes? On ne sait même pas, c'est pas important. Mais c'est une manière de faire le régime aussi, hein. Ça veut dire que dès que j'arrive à avoir des frissons, c'est là où je sais mon corps, naturellement, il se réchauffe. Si mon corps est trop chaud, je commence à transpirer. Et qu'est-ce qui se passe avec la transpiration dans les vêtements? Ça gèle, non? Et là, nos habits perdent l'insulation, l'isolation. Ça veut dire que je ne dois pas respirer. Mais je ne dois pas tomber en hypothermie non plus. Et le juste milieu, c'est ouais, avoir des frissons pendant les prochains 3 mois. Ah, c'est simple, non? Mais nous, quand on a des frissons, tu dis, ah, il fait froid. Non, c'est qu'une question d'habitude. Cet exercice-là, c'est de refroidir du corps jusqu'à ce que tu aies des frissons.
Après, tu mets les habits, ton corps est sec et tu vas avoir des frissons pour les prochains 3 mois. Et là, tu es bien réglé. L'hélico, il nous prend, il nous pose sur la dernière bout de terre. Ces photos étaient prises à 12h32, exact. Le moment le plus clair de la journée. Derrière nous, la pale de l'hélico, la feu d'atterrissage de l'hélico. Et là-bas au sud, on voit un rayon orange un peu comme ça. Et c'est le soleil qui est au sud de l'équateur. Ça, c'est le moment le plus clair de la journée. Et pour les prochaines 2 mois, on a l'aire frontale. Et tu n'as que ça d'informations autour de toi. Tu n'as que ça pour prendre des décisions. Et quand on parle de prendre des risques, et tu n'as que ça c'est déjà beaucoup. Pourquoi tu veux avoir toujours plus? C'est parce que tu as peur des résultats, des risques que tu prends. Je pense que mon père était quelqu'un qui me donnait énormément dans la vie. Et puis on a parlé tout à l'heure sur des choses que mon père me donnait et ma mère. Ils se me donnaient 2 choses et ils ne m'ont jamais acheté des cadeaux. Ils se me donnaient 2 choses de ma vie qui étaient hyper importantes. Ils se me donnaient une base très solide, une bonne éducation. Et ils sont me donné la nourriture et l'envie de faire quelque chose. Après, ils sont me donné les ailes. En disant, écoute, Mike, toi, tu es un homme qui veut être libre. On te donne cette liberté. Mais ça, tu dois gagner. Et ce n'est pas pour toute ta vie la liberté. La liberté, c'est quelque chose that you deserve. Tu dois mériter, non? La liberté n'est pas donnée à tout le monde. La liberté est donnée à ceux qui le méritent. Ils ont dit, mon père, Mike, à 8 ans, tu peux aller partout où tu veux. Je ne veux pas savoir où tu vas. Mais à 6 heures du soir, tu dois être à la maison. Et moi, je pars de la maison à 6 heures du matin. Tac, tac, tac. Le week-end, 6 heures du soir, je suis là. Tout le temps à l'heure. Et quand je voyais que je connaissais un peu tout autour de la maison, c'est là où j'ai commencé à faire du footing, du jogging. Parce que je pouvais aller plus loin. Quand mon père voyait que je partais de la maison au courant, il m'achetait un vélo. Et puis, je pouvais aller plus loin. Mais un jour, maintenant, j'ai presque 8 ans et demi. 9 ans, mon père, j'ai dit à mon père, hey papa, je vais aller visiter mon oncle. Mais il a eu 2 oncles. Un oncle qui habitait à 10 km, un autre oncle qui habitait à 300 km. Mais j'ai donné que la moitié de la vérité à mon père. Je n'ai pas dit laquelle des oncles que je veux visiter. Je disais, non, mais écoute, je vais aller visiter mon oncle. À 6 heures du soir, je n'étais pas à la maison. Il prend le téléphone, il appelle son frère, il dit, est-ce que Mike était là? Non, Mike n'était pas là. D'accord. Il est en train d'y aller à 300 km, à 8 ans, avec un vélo, avec les roues comme ça, pour aller visiter l'oncle qui est à 300 km. Il rentre dans sa voiture, il arrive, il me retrouve à l'angle du chemin, j'ai fait très peu de kilomètres, tu vois les petites jambes et tout ça. Et puis, il arrête, il sort la voiture. Et là, je croyais qu'il va m'engueuler. Il prend mon vélo, il ouvre le coffre de la voiture et met mon vélo dans la voiture. Il me fait un signe comme ça. Je rentre derrière lui et lui devant. Maintenant, on rentre à la maison. Et tous les trajets, il ne m'adressait pas une seule parole. Et là, ça commence de travailler. Il arrive à la maison, il fait comme ça, je vais à ma chambre. 2 heures plus tard, toujours pas une parole. Et moi, je ne pouvais pas supporter ça. C'est là où
J'attends qu'il va aller dans sa chambre pour dormir. Je ouvre ma porte de ma chambre. Je vais vers lui dans sa chambre. Je dis, mais pourquoi tu ne m'engueules pas? Il me regarde comme ça. Il dit, c'est pas moi qui a fait des erreurs. C'est toi qui as fait des erreurs. Pourquoi tu ne me parles pas? Et justement là, j'ai compris dans la vie. Si tu fais des erreurs, il faut admis que tu as fait des erreurs. Et là, il y a un respect qui est créé. Ce n'est pas celui-là qui n'a pas fait l'erreur de t'engueuler. Tu sais que tu as fait des erreurs. Et ça, c'est le raisonnement de l'homme quand il prend des vrais risques. Qui sait qu'il prend des vrais risques? Et si ça ne marche pas, il doit assumer la responsabilité. Maintenant, on commence. L'hélico est prêt de partir. Deux luches chacun à 200 kilos. C'est là où Borgé et moi on se voit pour les premières fois et on ne parle pas beaucoup. Maintenant, l'hélico décolle et moi j'essaie de tirer la luge, les deux luges, mais ça pèse 200 kilos. Et la dernière regarde vers l'hélico qui part et je sais qu'il ne peut plus jamais revenir me trouver. Si on a peur de perdre, on ne va jamais gagner. C'est seulement quand l'envie de gagner peut devenir plus fort que la peur de perdre qu'on peut gagner dans la vie. Et je le répète un peu parce que des fois les gens ne comprennent pas tout à fait. Quand l'envie de gagner est plus grande que la peur de perdre, c'est là qu'on peut gagner. Parce qu'on a tout le temps peur de perdre notre boulot, notre ami, nos amis, la maison, la voiture et tout ça. Et ça, ça nous garde dans cette zone de confort qu'on n'ose pas aller prendre des risques. Moi, je m'en fous de perdre, honnêtement. Je n'ai pas peur de perdre. Et c'est pour ça que je gagne. Comme je disais, j'ai bossé pour l'équipe d'Allemagne pendant cinq semaines. Pendant les Coupes du Monde de foot. Au Brésil, à la base, j'ai fait des études de psychologie de sport, de blessures sportives. Ça, c'est ma formation universitaire. Mais je travaillais comme coach mental, high performance coach. C'est un titre qu'ils me donnent. Mais c'est juste ma manière de vivre, c'est pas un coach. Hein. Que je préparais les joueurs de foot d'Allemagne pour leur match. Et c'est des bébés. Ils ne connaissent pas leur potentiel. Ils jouent 45 minutes, 45 minutes. Oh, je m'en fous combien. Ils jouent sur un terrain tellement contrôlé, tellement préparé, que c'est des babies. Et moi, j'arrive comme ça, je dis, mais on va aller au Pôle Nord de nuit. Ah, mais tu es fou, quoi. Ils sont payés combien de millions, les gars, qui ne méritent pas comme personnalité. Mais que nous, on le donne. Parce qu'on regarde la télé. Parce qu'on ne vécu pas. Jamais vu un match de foot. C'est boring. Rien contre la foot. Mais ce n'est pas la vie. C'est nous, on vit à travers de quelque chose d'autre. C'est ça qu'il donne. Mais chacun de nous paie the euro. Le match winner, si on est prêt de prendre ce risque. C'est juste qu'on ne sait pas notre potentiel. Mais on paye pour avoir ce potentiel de vivre à travers de quelque chose d'autre, comme du foot. C'est incroyable. Que chacun de nous a ce potentiel d'y aller au-delà qu'on connaisse, mais on n'ose pas. On préfère de payer de regarder tennis, foot, golf. C'est joli, moi aussi, oui. Mais quand tu commences à faire des choses soi-même dans la vie, c'est là où tu trouves la satisfaction. C'est là où tes intellectual emotions, l'intellect émotionnel est activé. C'est là où on dit, ah, si j'ai fait ça, je vais aller là. Et c'est tout de notre main. Mais on ne prend pas ownership. On ne prend pas ça à cœur.
on garde notre main ouverte, ça arrive et ça s'envole. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la vie est donnée à chacun de nous et on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, je marche toute seule pour des mois et des mois. Et des gens me demandent à Mike, à quoi tu penses? Je ne peux pas vous dire à tout ce que je pense parce que oui, ça va être une surprise pour vous aussi, mais à moi aussi de temps en temps. Mais chacun, quand je parte, chaque fois que je parte, c'est là où je prépare des autres expéditions. C'est là où je construis un autre château. C'est là où je vais aller au-delà que je fais maintenant. Et nous, on ne donne pas du temps dans la vie pour faire ça. On ne se donne plus du temps dans la vie parce qu'on chasse quelque chose qu'on croit qu'il a une valeur, mais en fait, qui n'enrichit pas notre sol. Ici, notre corps. Indirectement, aller au pôle Nord, c'est juste une excuse de faire et planifier quelque chose d'autre. Maintenant, quelle heure est-il? Ouais, je vais aller plus vite, mais on est arrivé au pôle. Ça, c'est les premières images du pôle. C'est tout simplement la glace qui casse, les couches de glace qui glissent un sur l'autre. Et puis là, je voyais très bien que c'est un peu la guerre. Mais l'Afrique du Sud, à 16 ans, on a commencé, où je suis né, de faire des tests psychologiques et puis physiques pour en fait aller à la guerre. Parce que chaque Sud-Africain, comme en Suisse, était obligé de faire militaire. On ne pouvait pas dire non ou oui, compulsory, doit le faire. Et puis moi, j'ai reçu une lettre un jour en disant « Ah, Mike, tu es sélectionné pour faire la force spéciale. » Ah, mais j'étais beau excité, j'arrive à la maison, je dis à mon père, « Mais regarde, moi, je suis sélectionné entre 4000 en Afrique du Sud. » Ouh, pour moi, c'était un honneur. Et mon père me demande, « Tu veux vraiment aller là-bas? » Je dis, « Ouais, c'est super. » Il a dit, « Mais pourquoi c'est super? Il faut connaître la raison. » Je dis, « Ah ouais, je ne sais pas pourquoi c'est super. » Et je suis dans ma chambre et je réfléchis, « Pourquoi c'est super ?» Et je commence à lire un peu sur le bouquin et là, je voyais que les gens faisaient des choses que les autres ne font pas. Je dis, je vais avec mon père, je dis, « Les gens font des choses que les autres ne font pas. » Mais disent quoi? Et je vais retourner dans ma chambre et je retrouvais plus d'informations. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué. Tac, 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 tac. Que la raison que je dois donner à mon père pourquoi aller au pôle Nord ou pourquoi aller dans la force spéciale de l'Afrique était une raison que je décidais d'y aller parce que c'est ça que je veux trouver là. Quand on prend des risques, il faut savoir c'est ça qu'on veut en retour. Vous comprenez comment c'est facile? C'est tellement logique que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas décider qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on ne décide pas de prendre des risques. Ou on prend trop de risques parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. 4 mois plus tard, des 4000 Sud-Africains qui étaient sélectionnés, il y a 400 qui restent. 4 mois plus tard, 40 qui restent. 4 mois plus tard, 4 qui restent. Une année d'entraînement. Je suis un des 4. Waouh! Chargé dans l'hélico, aller en Afrique pour faire la guerre. Une année plus tard, un seul homme qui reste, moi. C'est là où tu connais la différence entre la vie et la mort, très jeune. Et puis, quand j'ai rentré seul, après une année en guerre en Angola, je disais, ah ouais, peut-être cette envie que j'ai pour rester vivant est un peu plus forte que l'envie des autres.
Chaque fois, quand j'étais dans une situation qui n'était pas toujours autour de mon contrôle, de mes mains, je savais que je dois faire juste un tout petit peu plus que les autres pour rester vivant. Que des fois, quand je tiens, je dois juste tenir plus longtemps. Il faut que lui lâche avant moi. C'est simple. Il ne faut pas lâcher avant les autres. Et là, sur la glace, quand j'ai eu ça comme école, et on part de la dernière bout de terre, c'est un glacier qui est posé, ça c'est l'océan Arctique. Et puis, en fait, les conditions sur l'océan Arctique, c'est les blocs de glace qui bougent un sur l'autre. Et tu commences le 20 janvier là, sur la Terre, et les pôles nord et au nord, mais 4 jours plus tard, tu es déjà 100 km au sud où tu vas aller. C'est pas parce que tu as trompé du chemin, c'est pas parce que tu es complètement bourré que tu ne peux pas arriver de savoir de quelle direction tu vas, mais c'est juste que la glace recule beaucoup plus vite que toi tu peux avancer. Maintenant, un mois, trois semaines plus tard, on est toujours au sud, plus au sud que où on a commencé. Un mois plus tard, on n'a fait que 2 km de progrès. Imagine que tu marches pendant un mois, 30 jours, tous les jours, et tu fais que 2 km. On était sponsorisé par National Geographic. National Geographic qui m'appelle, oh, de New York, mais complètement fou. Hein? Mike, mais comment tu fais? Ça va pas, tu vas jamais arriver. C'est un désastre, mais c'est pas possible. Tu as déjà bouffé la moitié de ta bouffe. Comment tu vas? Et puis je dis, mais elle n'est même pas là. Elle a dit, tu n'as fait que 2 km de progrès. Je dis, non. Tu es sûr qu'on a fait que 2 km de progrès? La bonne femme a dit, oui, tu n'as fait que 2 km. La dernière signal que tu as envoyé, tu as fait 2 km de progrès. Je dis, attends. Je renvoie un signal. 40 000 km, les signaux partent. Satellite chope mon signal. 40 000 km jusqu'à Toulouse. Et partent autour de la mer. 9 secondes plus tard, mon signal arrive à New York. Elle prend la signal, elle voit la position et mon téléphone satellite qui sonne de l'autre côté. Elle dit, Mike, j'ai fait une erreur. Je m'excuse, tu n'as pas fait 2 km de progrès, tu as fait environ 8 km de progrès. Je dis, parce que je suis en train de parler avec vous. Parce que je ne travaille pas. Vous avez compris qu'en 9 secondes, j'ai reculé 200 mètres. Et vous, vous me disiez que j'ai fait que 2 km en un mois. Non, véritablement, j'ai marché 500 km. Parce que si je ne marchais pas, j'étais ici. J'étais là. Et là, je n'ai pas de chance d'arriver. Là, j'ai encore une chance. Oui, 2 km de progrès plus, c'est 2 km plus. Ce n'est pas moi 502. Ça, c'est des risques qu'on prend. Il faut savoir qu'il y a toujours un petit peu de lumière en tout. Mais c'est des fois juste difficile de voir. Des fois, on ne le voit pas comme ça. Je suis avec Borghi dans la tente et je dis, Borghi, on ne voit même pas notre luge derrière nous. Comment on va faire? Il a dit, Mike, on n'a pas la nourriture pour arriver au pôle. On doit partager maintenant chaque jour de repas, on doit diviser en deux, et puis comme ça, on recommence un peu à zéro, et on peut avoir la nourriture pour arriver au bout. Et c'est là où je dis, mais moi j'ai déjà faim. Maintenant tu veux que je mange la moitié des choses. En 3 jours, on est foutu. En 3 jours, on n'a plus d'énergie. Parce que on a économisé maintenant. Moi, je pense qu'on doit manger double des rations, qu'on charge plus d'efforts, qu'on fait maintenant la différence, parce que maintenant on peut encore faire la différence. Ce n'est pas après un mois et demi qu'on va faire la différence. Là, on va être foutu. Maintenant, on a une chance. Maintenant, il faut investir. Maintenant, il faut travailler. Il me regarde comme ça, mais il dit, d'accord, c'est bon. Parce que j'étais tellement excité, j'étais tellement prêt de faire plus. Mais lui, il voulait faire moi. Pas moi, un effort, mais prenez-moi de nourriture. Je m'endors 3 secondes. Je me réveille. On a parlé 3 mots par jour, Borghi et moi. Hein. Et ça, c'est beaucoup.
J'ai eu rien à leur dire. Parce que je suis à côté de lui, je dois dire, ah Borghi, aujourd'hui il fait froid. Il marche à côté de moi, il sait qu'il fait froid. Je dis, ah Borghi, j'ai faim. Lui, il a faim, il a mangé la même chose que moi. Comme pourquoi je te dois donner des choses inutiles à lui, des informations qui ne servent à strictement à rien. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Je dis à Borghi, Borghi, j'ai une idée. Il a dit quoi? Je dis, imagine on change notre horloge biologique. Un jour à combien d'heures? 24 heures, non? Un jour à 24 heures. Et je dis, si on change notre horloge biologique, on fait une journée 30 heures. Et un jour de bouffe qui était pour 24 heures peut devenir un jour de bouffe pour 30 heures. On gagne 6 heures par jour. Non? Ouais, 6 heures par jour de notre poche. Et chaque quatrième jour, on gagne un jour de nourriture. Et, qui est plus important, on gagne du temps de mettre la tente. On gagne du temps quand on dort. On gagne du temps quand on recule. On marche. Et je dors toujours 5 heures, 30 heures. Je marche 20 heures. Et je mange 5 heures. Parce que pour manger 12 000 calories ou 8 000 calories, il faut 5 heures par jour pour bouffer. Tout ce que vous vous passez pendant une semaine à bouffer, devant la table et tout ça, c'est 5 heures. Mais ça, je dois passer par jour. C'est pour ça que je n'ai pas avancé, parce que j'ai passé mes temps bouffant et dormant. Et je ne marchais pas. Oui, je marchais déjà 12, 13 heures par jour, mais là, tout d'un coup, je veux marcher 20 heures. Et c'est là où on a commencé de faire des progrès. Mais les conditions étaient difficiles. La glace bougeait. Il y avait de l'eau partout. On sautait d'un morceau de glace à l'autre. Lui, il dérivait à gauche. Moi, je dérivais à droite. On a un seul temps. On doit rester ensemble. Des fois, quand ils partent là, et moi je voyais que les morceaux de glace partaient là, on s'écartait et je savais très bien que du moment qu'on s'écarte, c'est du moment que c'est fini pour nous. La glace casse. On met vite ses combinaisons de survie. On ferme, la fermeture est claire. On pousse la luge dans l'eau. On saute dans l'eau. Et on essaye de trouver la glace de l'autre côté. Vous avez déjà joué la roulette russe? J'espère pas, c'est pas un jeu à jouer. Mais chaque fois que je sautais là-dedans, c'était comme jouer des roulettes russes. Mais contrôlé. J'ai pas mis une balle. J'ai juste fait... Il n'y a pas de balle dedans. Mais la diable, il peut charger. C'est un risque. Mais si tu prends pas le risque, tu vas rester sur ce morceau de glace qui recule et l'autre côté, ça avance. Si tu n'es pas prêt de sauter dans l'eau, c'est pas un problème. Il fait moins 5 en dehors, l'eau est à plus 2, au moins 1. Tu as plus chaud dans l'eau que dehors. Mais dès que l'eau rentre dans ta combinaison, c'est là où tu es foutu. Le problème, c'est que quand tu sautes dans l'eau et l'eau est à moins 2, c'est là où tu transpires. Et dès que tu sors, tu gèles. Des fois, de pouvoir sortir la glace de l'autre côté, c'est extrêmement difficile parce que dès que tu appuies, ça casse. Tu as 20 minutes de vivre. Et après 18 minutes, honnêtement et sincèrement, tu commences à avoir la fatigue. Tu commences à savoir que maintenant, l'homme n'est pas vraiment fait pour nager. C'est là où tu sais que tu es un poisson. Tu n'es pas un poisson ni un oiseau, que tu es un homme. Et en prenant des risques, il ne faut jamais oublier que tu n'es qu'un petit homme. Et si tu perds cet repère, tu ne vas pas faire long. Tu dois rester humble. Tu dois rester très connecté à soi-même. Parce que si tu n'es pas connecté, tu ne vas pas faire long. J'ai pris ces photos de mes skis et puis c'est une petite histoire. Ski droite, Annika, ski gauche, Jessica, qui a dessiné des petits dessins sur mes skis.
Sur la spatule des skis, Annika a écrit Love you. On t'aime, papa. Et puis, Katie, ma femme, et mes deux filles, dessinées sur les spatules. On a eu deux chats et deux chiens, parce que j'ai essayé d'acheter un chat. Mais à une fille et puis un garçon, tu peux acheter un chat, mais pas deux filles. Ah, moi aussi, je veux un chat. D'accord. OK, deux chats. Et pendant l'été, quand les chats partaient chasser, ils voulaient des chiens. Et j'ai acheté deux tout de suite, parce que j'ai appris des premières erreurs que je fais. Et moi qui parte. Ça, c'est notre famille. Annika me souhaitait bonne chance. Eux étaient nés en Suisse, moi né en Afrique du Sud, ma femme était née en Nouvelle-Zélande. Et puis, Annika disait que tu vas nous manquer, papa. Sur le ski gauche, Jessica a dessiné la maison où on habite, avec les fleurs dans les jardins qu'on a tout l'été. Et papa, tu vas nous manquer. Quand tu rentres, on t'amène sur une plage où il y a des palmiers, où tu vas voir du soleil. Dieu doit te protéger. On te souhaite bonne chance. Et ma cœur est brisé parce que tu partes. Quand j'ai demandé à ma fille pourquoi ils ont dessiné la maison et la famille, tout ce qu'on a connu aux spatules, il disait, papa, chaque fois que tu avances ces skis, c'est nous, la maison qui s'approche. Et si tu fais pas un pas aussi long et tu vois pas que notre cœur est brisé et que le soleil est là, il faut faire plus d'efforts. Il faut pousser les skis plus loin. Parce que ces 5 cm font une différence d'arriver au pas. Pourquoi se tricher? Pourquoi faire la moitié d'un effort si on sait bien que l'être humain peut faire tout un effort? Pourquoi faire la moitié? Quand tu peux pousser les skis 7-5 cm plus loin, c'est sûr que c'est une satisfaction qui t'amène de pousser l'autre ski plus loin et l'autre ski plus loin. Et tu bouffes cette énergie et ce momentum en prenant des risques. C'est là que tu trouves l'harmonie. Parce que tu vas dans la direction de la maison et retourner aux gens que tu connais et que tu aimes. Ouais, tu ne peux pas ni arriver, non? Tu peux qu'arriver. C'est pour ça que je dis que c'est facile. Parce que la motivation n'est pas seulement de dire, regarde comment je suis grand et fort, non. Pas du tout, pas du tout. La motivation est profonde. Et dans les émotions. Et dans la famille. C'est ça qui me pousse. Je n'ai pas besoin de me motiver. C'est quelque chose qui m'attire. Et la liberté est donnée pour que je peux faire cette performance. Si on ne peut prendre pas des risques, c'est parce que la liberté n'est pas 100% donnée. Et on a peur du résultat. C'est simple. La nuit fait noir et il y a des ours polaires autour de nous. Et des fois, c'est seulement avec les flashs des caméras qu'on le voit. Il faut comprendre que les ours polaires sont beaucoup plus grands que nous et ils sont beaucoup plus hauts sur la chaîne de nourriture que nous. Quand ils sont là, c'est pour une raison. Et ils sont toujours là quand tu veux dormir et c'est là où ils disent, mais maintenant, c'est comme des sardines qui sont dans une petite boîte. Ils vont bien rentrer dans leur petite tente et puis après, je le bouffe à l'intérieur de la tente. Mais on a mis cette corde autour de la tente. Quand l'ours il arrive, il touche la corde et puis c'est connecté à un fusil éclairant qui nous réveille à l'intérieur que nous, on peut sortir pour essayer de se défendre et pour chasser en fait l'ours. À l'intérieur de la tente, on utilise les lumières rouges, tout simplement. Ce n'est pas un bordel, c'est juste parce que l'œil,
La pupille, il va pas plus petit ou plus grande. Il reste la même taille. Dès que je sorte, je vois tout de suite tout. Si tu mets la lumière blanche à l'intérieur de la tente, la pupille est diminue. Et dès que tu sors, tu vois plus rien. Parce qu'il fait nuit noire à l'extérieur. Et c'est des petits détails comme ça qui faisaient cette expédition intéressante pour moi. À l'intérieur de la tente, c'est là où je dois envoyer des images à mes sponsors. C'est comme UEFA un peu, ouais, managing des sponsors, hein, ça c'est important. Il faut envoyer des messages que dit tout va bien, même si tout va mal. Ça, on s'en fout, hein. C'est pas eux qui disent, ouais, tout va mal. Ouais, je suis un pauvre Mike. Si tout va mal tous les jours, faut pas le faire. Tu vas bien, tu es toujours vivant. Oui, tu as gelé deux ou trois petits doigts, mais ce n'est pas la fin du monde, non? Ce n'est pas là où on va arrêter. C'est juste que si tu penses que ça va mal, ça va mal. Si tu penses que ça va bien, même si ça va mal, ouais, c'est nickel. Tu vas bien. Cette fusil que l'ours passe dedans ne peut pas tuer un ours. Ça fait juste boum, et nous, comme je dis, chiot froc à l'intérieur de la tente, et l'ours aussi, on espère. Et puis c'est là où on part dans les deux sens, lui à gauche et nous à droite, vraiment le plus vite possible. Le mauvais temps n'existe pas pour moi. J'aime du mauvais temps parce que je sais que ça peut devenir que mieux. J'aime pas les bons temps parce que ça peut devenir que plus mauvais, non? Dans la vie, on dit, ah oh, ouais, aujourd'hui il fait beau, mais demain il fait mauvais. S'il fait mauvais, je dis, ah oh, super, aujourd'hui il fait beau et demain il peut devenir mieux. Tu vois, quand tu vois qu'il n'y a pas un mauvais jour ou un bon jour, c'est juste un jour. La météo, c'est la météo. Pourquoi on dit c'est la mauvaise météo? C'est la météo. Mais ça te permet aussi de faire des choses. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'a jamais resté dans la tente. S'il fait mauvaise ou s'il faisait beau. Si la glace cassait ou si la glace ne cassait pas. Et là, à ces jours-là, c'est une photo que j'ai prise complètement par accident. C'est quand la glace a cassé, Borg a tombé dedans et la glace a commencé à fermer autour de lui. On a eu un accord, un contrat signé entre moi et lui, mais un contrat de parole. Où je disais à Borghi, tu sais Borghi, quand ta vie est en danger, je ne veux pas sauver ta vie. Et Borghi me disait, Mike, tu sais, quand ta vie est en danger, je ne veux pas sauver ta vie. Je dis, ouais, d'accord, c'est nickel, comme ça. Pour moi, super. C'est là où je construisais cette mur entre moi et Borghi. C'est là où on n'a pas parlé. C'est justement là où je voulais rester vivant que moi-même. Et je m'en foutais de lui. Je voulais même bouffer ses nourritures. Et lui, il voulait bouffer ma nourriture à la fin. On était une compétition. Mais une compétition où je voulais sortir la tente 5 minutes avant lui tous les jours pour lui montrer que j'étais plus fort que lui. Et lui, il a écrit un bouquin là-dessus. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Et c'est comme une seule personne a écrit un bouquin. Lui, il disait, je détestais de voir Mike sortir la tente avant moi. Et c'est ça qui a fait avancer notre expédition. Mais cette photo, quand j'ai pris cette photo par accident, je voyais la bouche ouverte. Je voyais que lui parte. Je voyais la luge. Et moi, je tourne mon dos et je parte. J'espère que ça ne va pas prolonger avant de mourir, je pensais. Et qu'il ne coule pas avec sa luge, comme ça je la bouffe à manger. Mais en quittant, je croyais très bien que sans lui, je ne veux pas rester vivant. Pour moi et pour ma vie, je dois sauver sa vie. Et c'est là où je retourne vers lui et je dis maintenant, ma vie, c'est aussi sa vie. Et quand on peut prendre des risques avec cette intention-là, que vos décisions, c'est aussi les décisions des autres, c'est là où on peut vraiment assumer le risque.
Je sorte la luge, je lance la corde vers lui, lui il attrape la corde et c'est comment tu dis, quand tu tires les cordes, hein? Ouais, des cordes, on tire ce côté, toi tu tires ce côté. Lui il me tire dedans, moi je le sors un peu, lui il me tire dedans. Et là je disais, ouais, c'est encore une fois dans ma vie, juste je dois tenir plus longtemps que lui. Parce que moi je veux pas aller dedans. Et lui, il va absolument sortir. C'est tic, 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 tic. Mais pour la vie, là, tu tiens. J'ai mis les quarts de ski, je tenais à ma luge. À la fin, il arrivait avec le haut du corps sur la glace. Je le tirais en fait juste sur la glace un peu plus ferme. Et puis, je continuais de marcher. Pendant toute la journée, il a essayé de m'attraper. Mais dès qu'il est arrivé derrière moi, j'ai accéléré. Je ne voulais pas parler avec lui. À la fin de la journée, on arrive dans la tente, et puis ils me disent, Mike, je veux parler avec toi. Je dis, j'écoute, parle. Ils disent, je ne veux pas te remercier. Et je dis, hey, tip-top, tu as bien compris, hein? J'ai sauvé ta vie pour moi, pas pour toi. Il a dit, oui, c'est pour ça que je ne veux pas te remercier. Parce que je faisais peut-être la même chose. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que je te dois quelque chose. Et je serai là pour toi. Quand on prend des risques, on doit être là un pour l'autre. Et cette journée-là, on est devenu des copains. Ces journées-là, on commençait d'avancer ensemble. Ces journées-là, si les ours autour de moi était là, et puis moi je voulais pas trop regarder, lui s'occupait des ours. Et quand tu vois ça, et ça, tu sais que l'ours est prêt d'attaquer. Ça c'est quoi? C'est une femelle, ours. Parce qu'un mâle, il fait pipi comme ça, et les femelles, comme ça, entre les pattes, non? L'autonomie des ours. Et toutes les femelles sont dangereuses. Attends. Toutes les femelles ours sont dangereuses dans la vie. Et quand on voit ça, et puis quand un ours chip, comment tu dis, fait leur numéro 2, c'est là où il doit manger. Et ça, c'est tous les signes qu'on doit savoir de rester vivant. Là, elle s'approche, et puis on se prépare. Dès qu'un ours arrive devant nous, il faut savoir que quand elle se met sur ses pattes arrière, elle lève les pattes devant comme ça, et puis elle gueule, ouah, comme ça. Tout ce que tu dois faire, c'est tu écartes tes pattes, tu balances tes bras, tu la montres que tu es humain, et tu écartes. Elle va lever ses oreilles, elle va ouvrir sa bouche. Elle va lever les nez. Mais pourquoi elle fait ça? Juste pour accumuler les informations, non? Les oreilles pour écouter, pour goûter l'air, pour sentir. Mais si un ours arrive devant toi comme ça, elle ne se met pas sur les pattes arrière. Elle met ses pattes devant dans la glace comme ça. Elle approche les pattes arrière. Elle se met dans une boule comme ça. Elle aplatit les oreilles. C'est là où tu dois savoir qu'elle va attaquer. C'est des signes, tu dois juste savoir lire. En prenant des risques, tu dois savoir lire des signes qui sont autour de nous. Borghi et moi, Borghi, ça c'est la discussion à ce moment-là. Borghi, s'il te plaît, tu peux me donner les fusils que moi je tire. J'ai été en sélectionné de 4000. Et après 2 ans, j'étais le seul qui restait vivant dans la guerre en Angola. Je sais tirer. Lui, il est plongeur dans la marine de Norvège. Non, moi je tire. Mais Borghi, toi, tu n'as jamais tiré sous l'eau parce que, tu sais, dans la marine, tu tires pas. Moi, je sais tirer sur les gens, sur les ours et tout ça. Non, moi je tire, toi, tu prends des photos. Et puis, c'est moi qui est derrière sa mouffe, comme ça, avec mon appareil photo et l'ours qui prépare. Maintenant, quand l'ours, il se prépare, elle va baisser la tête au bout d'un moment, les oreilles plates, la bouche fermée, elle va commencer de grincer ses dents.
Dès qu'elle commence à grincer ses dents, derrière l'oreille, il y a un gland qui fait sortir l'adrénaline qui fait que l'ours attaque et c'est irreversible. Ouais. Ouais, c'est normal. Hein. Adrénaline, ouais, maintenant je veux bouffer Mike et Borghi. Attaque. Et Borghi doit tirer. Mais comment elle peut tirer? Elle a cet énorme moufle comme ça. Hein. Tu peux pas tirer avec un moufle comme ça. Et je vois l'ours baisse la tête, commence à grincer les dents. Je dis, hey Borghi, tu peux enlever tes moufles parce que. Ils disent, mais Mike, donne-moi des informations qui seront quelque chose. Et je prends ces photos et puis. Des photos après que c'est tu l'ours qui part, il a chopé l'ours à 2 mètres de nous. Honnêtement, c'est là où la fusée éclairante brûle devant nous et ça se voit bien que j'étais à côté sa mouffe, maintenant je suis derrière sa tête. Tu vois, vraiment bien protégé que l'ours le bouffe avant et moi qui prends les bottes comme ça. Elle a parti. On voit bien qu'elle part là. Elle brûle un peu, mais pas grave, hein? Elle ne peut pas mourir. Elle a revenu 12 fois. 12 fois elle a revenu. Et 12 fois Borghi a tiré. Mais après elle a parti. Mais elle ne savait pas qu'on n'a que 12 balles. Honnêtement. S'il est venu encore une fois, on était mort. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais lâcher. Parce que tu ne sais pas comment est l'autre côté. Des fois, tu penses qu'il y a un mur et tu ne peux jamais traverser. Mais il faut continuer d'essayer. Il y a un jour que tu vas traverser. Et en prenant des risques, c'est là que tu dois savoir que celui-là qui essaye, qui essaye, qui essaye, qui essaye, qui essaye, va arriver. Maintenant, on a commencé d'avancer quand même beaucoup plus vite. Et là, on a déjà mangé la moitié de la nourriture. Et ça, c'est juste un petit vidéo pour vous montrer un peu quel effort c'est d'y aller au pôle Nord. C'est jamais plat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour chaque mètre, tu dois tirer la luge. C'est tellement fracassé la glace, c'est tellement un mélange de blocs que c'est jamais facile. Mais si c'était facile, j'étais pas là. Des fois de tomber, t'as juste envie de t'asseoir et de fermer tes yeux et 2 minutes plus tard, t'es plus là. C'est pas grave si votre café arrive à 9h15 et pas à 9h. C'est pas la fin du monde. C'est pas la raison pourquoi la journée ne doit pas marcher. C'est justement ça qui est intéressant de la vie. C'est de sortir nos habitudes de tous les jours. De 10 fois sortir ces systèmes, que tu peux regarder tous les systèmes de l'extérieur, marche autour de ces systèmes et de dire, ah ouais, mais on est con, hein. Oh, ouais, ça c'est bien, oh, c'est super. Je prends ça avec moi, mais maintenant on va là, on le met là. Et là, on crée quelque chose d'autre. Ça, c'est des risques. Ça, c'est manager des risques. C'est toujours de prendre des aliments qui sont bien et de l'amener plus loin dans la vie. Ouais, tirer la luge là en travers, c'est pas du plaisir. C'est vraiment pas du plaisir. Mais pourquoi on doit toujours faire tout ce qui est du plaisir? Non. La vie est dure. Je ne souhaite pas d'avoir une vie facile. Je ne souhaite pas d'avoir une vie avec moins d'obstacles. Je veux une vie avec des obstacles. Parce que c'est là où je me prépare moi-même mieux, que je m'entraîne moi-même mieux, que je peux surpasser les obstacles et pendant les autres disent « Ah, mais la vie est dure, on n'avance pas », que moi j'avance. C'est personnel. La vie, c'est une décision personnelle pour la rendre facile ou difficile. Là, c'est plus facile vraiment de t'asseoir dans la glace et de pleurer.
Mais ça t'amène pas au pôle. Mais l'ours, qui est normalement beaucoup plus sympa que les femelles, mais les mâles tuent des petites jeunes, des oursons, pour en fait que la femelle elle peut aller en chaleur, au nouveau, parce que pendant trois ans, quand elle garde ses jeunes avec elle, elle va pas en chaleur et puis il peut pas la sauter, faire couple comme ça. Je ne sais pas expliquer ça en français, mais vous voyez bien l'histoire. Ça veut dire que les mâles ours, ils tuent les petits oursons pour que la femelle puisse reproduire au nouveau. Et c'est malheureusement un grand problème maintenant dans l'Arctique. Cette mâle a venu, il a resté 4-5 jours derrière nous, et on voyait très bien qu'il était prêt de venir nous attaquer. Je dors avec mon oreille sur la glace. Sur la glace, l'ours qui arrive. Borgi, il dort. Il se réveille pas. Au bout d'un moment, l'ours, il sort de ma luge. Il arrache la bâche. Il tire vers luge comme ça, vers la tente. Il s'assoit sur la tente. Il est assis sur ma ventre. Moi, à l'intérieur de mon sac de couchage, lui, assise sur la tente, à l'extérieur de la tente. Et moi, j'ai un ours sur ma ventre. Comme on a tous les jours un peu un ours sur la ventre. Et puis, moi, avec mon coudre, Borgi, Borgi, s'il te plaît, tu peux réveiller parce que il y a un ours dans ma luge. Borgi, il ne se réveille pas tout de suite, il est mort, hein, foutu, hein, Norvégien foutu. Borgi, s'il te plaît, réveille-toi. Il y a un ours dans ma luge. Ils ouvrent Noé, et puis, ils disent, mais quoi? Je dis, Borgi, il y a un ours dans ma luge. Ils me regardent comme ça et disent, Mike, pourquoi tu me réveilles? L'ours, il est dans ta luge, il n'est pas dans ma luge. Et puis, ça, c'est la relation. Oui, quand l'ours, il est dans ta luge, il est dans ta luge, il bouffe ta bouffe. Ce n'est pas le problème de Borgi. Je dois assumer mes responsabilités. Et ça, c'est hyper important. C'est là où tu dois recoudre, où l'ours a déchiré la tente. C'est là où tu assumes la décision que tu as prise pour y aller et tout ce qui arrive avec ces décisions est important. Une des plus belles photos, juste avant le soleil se lever, tout près du pôle Nord. La glace a bien changé, puis on a beaucoup aujourd'hui de l'eau ouverte où on a passé 4-5 heures par jour en rampant en fait sur la glace. Tout près du pôle, la glace est devenue tellement mince. Avant, il y avait 4 mètres de glace. Aujourd'hui, la plus longue journée que j'ai fait, c'est 8 heures en rampant sur la glace que je passais pas. En marchant sur la glace, je veux traverser les courants qui m'apportent sous la glace. Et comme ça, au moins, je peux rester sur la surface et je ne pars pas dans ces couches de courant en bas que je suis emporté sous la glace où je ne peux jamais sortir. Là, la vie au pôle. C'est une vie qu'on doit avoir les disciplines de tous les jours. Et puis, c'est la dernière petite histoire que je raconte. C'est un jour, j'étais avec mon père. Mon père était joueur de rugby de l'Afrique du Sud. C'est très fier de mon père. Il est mort à 42 ans. J'ai eu 17 ans. 18. Et puis, mon père, c'était un type qui a rarement discipliné mes erreurs. Mais un jour, ils me disent, mais Mike, viens ici dans mon bureau. Il a un sofa et il y a un mur avec un tableau. Ils disent, assieds-toi sur ce sofa et regarde ce mur. Et puis, je me s'asseoir sur ce sofa, je regarde ce mur. Ils disent, qu'est-ce que tu vois sur ce mur? Et je vois des tableaux, je vois les empreintes de mes mains sales, qu'il a dit que je dois toujours laver mes mains avant de rentrer dans la maison. Je voyais mes empreintes où je n'ai pas lavé, je n'ai pas écouté mon père. J'ai toujours eu un ballon de tennis dans ma poche. Il a dit, tu n'as pas le droit de jouer avec les balles dans la maison. Et dès qu'il n'était pas là, boum, 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 je jouais avec mon balle de tennis contre le mur, comme un gamin. Puis, ils me disent, qu'est-ce que tu vois sur ce mur?
Et puis je savais très bien qu'il ne voulait pas que je voie des tableaux. J'étais vers le mur, j'enlevais les tableaux, je le mets à côté. Et là, il y avait un mur blanc avec mes empreintes. Je savais très bien qu'il voulait, il voulait pas que je voie mes empreintes parce que ça, il a déjà vu. Et j'étais vers le mur et je disais, papa, c'est comme ça, cette mur était peint. Le type qui a commencé, il a peut-être 40 ans. Il était comme ça haute et il a commencé là. Et sur les murs, je voyais bien où il a commencé. Et au bout d'un moment qu'il arrivait en haut là, où c'était un peu difficile, qu'il se mettait un peu comme ça, et puis il fait un mauvais boulot. Pas aussi bien que où c'était facile. Et je disais à mon père, mais pourquoi il n'a pas commencé de faire la peinture en haut, où c'était plus difficile, et il travaillait dans la direction où ça peut devenir facile? Et mon père m'écoute, et puis je raconte l'histoire que j'imagine. Comment cette mur était peinte. Et puis quand j'ai fini de raconter cette histoire, mon père me dit, mais Mike, tu vas jamais savoir regarder. Et j'étais presque sûr. Ils disent, va à ta chambre et tu reviens demain, tu regardes les murs et puis tu me dis qu'est-ce que tu vois. Je vais dans ma chambre, au lit, demi-heure, ah ouais, c'est ça qu'il va aller, que je vois. Vite courir vers sa chambre, ouvre la porte, hey, papa, viens vite, je veux te montrer, je veux te dire. Ils disent, non, 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 demain. Je dis, non, aujourd'hui. Il vient avec moi dans son bureau, je dis, maintenant, toi, tu t'assois où j'étais et moi, je vais derrière, dans ta place. Et je dis, qu'est-ce que toi tu vois sur cette mur? Et puis un moment de silence. Et juste avant qu'ils répondent, je dis, il n'y a pas de mur. C'est ça que tu veux que je vois. Parce que si on ne sait pas regarder en travers du mur de la vie, si on voit tout ce que les autres voient devant nous, on ne peut pas prendre des risques. C'est seulement quand tu sais regarder en travers des choses, les serpents qui sont derrière l'arbre, que tout le monde ne voit pas, que tu peux prendre des risques. Quand tu vois les serpents devant l'arbre, tout le monde le voit. Et ça, ce n'est pas suffisant de rester vivant. On peut tout le monde regarder en travers de ces murs, mais il faut juste avoir une opportunité. Avec ça, je pouvais aller au pôle. Maintenant, la glace a commencé de casser, beaucoup plus d'ours, mais on commençait vraiment de souffrir. La seule manière de chauffer mon nez, c'était de prendre la glace et de chauffer mon nez parce que la glace est beaucoup plus chaude que la température ambiante. Pour geler complètement. Nous, on a la sale gueule, honnêtement, plus assez de nourriture. Les nez qui gèlent, les genoux qui gèlent. Et tous les jours, tu dois sortir et tu dois traverser ça. Mais c'est pour ça que tu sors de la tente. Ça, c'est la seule photo qui a jamais été prise. Où le soleil, pour la première fois, il se lève au pôle Nord. Il sort pour 2 secondes. Et ça, c'est l'arrivée. We're at the pole. Hey, Jorge. Thanks for a great trip. Hey, thanks a lot, my friend. We did this together. Oh, for sure, man. No, we did an amazing experience. We did it as a team. And it was important, eh? Although I can barely see your eyes, I think... I can barely see yours. 28 minus. It's the 23rd of March 2006, and we have just accomplished the first ever winter expedition to the North Pole. End of story. So, for me, I'm grateful to have shared it with a guy as great as Ostad. And thank you very much for the help and courage. And could you arrive au pôle? Et puis, tu prends ton petit drapeau maintenant. Oui, t'es arrivé. Tu as gagné une coupe.
n'y a personne qui dit bravo. Tu mets ton drapeau au pôle et la glace bouge. Et puis tu dis, ah oui, moi j'étais au pôle, maintenant je suis plus. Oui, je repars au pôle. Et tu mets ton drapeau au pôle et la glace part en arrière. Et tu reprends ton drapeau et tu le remets au pôle. C'est là où tu comprends que c'est pas important d'arriver au pôle. De mettre ces drapeaux, c'est déjà dans le passé. Mais qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces connaissances que j'ai apprises à travers du moment que je parte jusqu'à du moment que j'arrive? Chacun de nous, de notre main, on a un stylo. Et chacun de nous, notre vie, c'est comme un page blanc et vide. Écrivez votre histoire comme vous voulez. Merci beaucoup.